Alors, bonjour et bienvenue, monsieur et madame Lacoste. Alors, nous sommes ici pour, eh bien, régler vos problèmes de divorce. D'accord? Donc, bon, bah, on va commencer par vous mettre d'accord. Voilà, il faut que vous vous mettiez d'accord pour que vous vous répartissiez un peu les trucs. Donc, bon, le chien, la maison, comment vous allez faire? Moi parce que moi je pense que je vais garder le chien à la maison. Non, moi je pense pas. Hein. Si. Moi je pense que je garde la maison et la voiture. Non, c'est à moi ça. Non. Ah, t'as trop Je crié, toi. garde. Vas-y, t'as un problème toi. Non, moi je garde la maison et le chien. Bon, monsieur, calmez-vous, monsieur et madame Lacoste, voyons. Alors, bon, je vais vous laisser réfléchir un petit peu plus approfondiment, d'accord? Réfléchis, on a réfléchi, c'est moi qui garde tout. Ah bon? Tu dégages, tu sers à rien, toi. Madame Lacoste, est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix? Non, elle est un Oui, peu belle. oui, Allez. oui. Elle est d'accord, elle est d'accord. Non. J'en ai rien à la casquette, elle est d'accord. Elle est Ah. d'accord. Il va falloir vous mettre d'accord. Elle est Alors, d'accord. il peut garder la maison, mais moi je garde le chien, la voiture, la télé, l'aspirateur, le frigo, la Oh non, vaisselle. non, non, non. En fait, Bon. tu veux tout prendre. Tu veux tout prendre, en fait. C'est moi Bah, qui vais vous tout avez la prendre. maison, monsieur. Et là, j'ai un dedans. Ah, Ah bah, non. c'est Ah non, je prends toute la... Ce qu'il y a la dedans, je maison. prends toute la maison. Bon, En excusez-moi. toi. Alors, on va faire le mari garde la maison et vous, madame Lacoste, vous gardez tout le reste. D'accord? Ça vous convient comme ça? Bien sûr, ça me convient. Ah, super. J'ai Alors, maintenant, concernant les enfants, je rappelle que vous avez quand même deux enfants, une petite fille, petit gar et petit, oula, et un petit garçon. Du coup, bah, concernant le petit garçon, vous faites comment? Je sais pas, je le Moi, je garde. le garde En tout cas, personnellement. concernant la garde des enfants. Oh Le petit là, je le garde. c'est moi, c'est moi, c'est mon préféré, non? Non, mais t'as pas compris qu'il m'aimait moi. Non, il t'aime pas, tu sers à rien, tu pues! Non, mais madame l'avocate, je propose de faire une garde alternée. Ah, une garde comment? Alternée. Garder? Garder? Ok, alors je note. Hop. On Alors, fait on va comment? dire où? Je Je le le prends garde la semaine et pas le 30 week-end? jours. Du coup, Tu le comment vous gardes allez 30 faire? jours et Qu'est-ce le que je garde fais un moi? jour. Non. Moi, je Vous n'allez le pas prends faire. toute la semaine et toi, tu prends que le week-end. Bon, il faut que ce Non. soit un peu Non. équitable. Ah, c'est équitable. Je ne j'en ai rien à foutre. C'est équitable. Moi, je prends toute la semaine et le week-end. Et pourquoi? Non, non, non. Une semaine Parce chacun, que sinon, hein. ils se sentent bien. Ils sont très bien avec moi. Ils mangent très bien. Ça lui donne de la bouffe comme le matin. On lui donne du cassoulet. Non, c'est pas bon. Non. Une Semaine d'accord. chacun. Par contre, je vous rappelle que vous avez une petite fille. Et on n'a pas encore discuté de ça, mais vous avez une deuxième petite fille. Donc, il faudra Ah, aussi mais découvrir ça. Ah, la elle. daronne, elle va la Oui. garder? La daronne, elle va la garder. Je te la donne. Non. Tiens, Ah, prends-la. non. Moi, je. Ah, si! Ah, moi, je ne veux pas trop. Elle a un peu en plus. Elle n'est pas très belle. Ouais! Ah, mais elle a tchat sa mère, hein! Ah non! Ah non, je veux pas de ça, moi. Non, en plus, elle est nulle. Ah non, en plus, elle sait même pas jouer au foot. Côté de son Non, père. Elle a on la dirait. même barbe Attends! que son père. Bon, J'aurais alors, Clébard, Clébard! je vois bien que vous n'arrivez pas à trouver une Si! solution. Du coup, on se retrouve demain, d'accord? Je vous laisse réfléchir de ça un peu mieux chez vous, tranquillement, ce sera un peu mieux. Et il faut que ce soit, enfin, que vous ayez une décision claire pour demain, parce que sinon, eh ben, c'est la merde. Voilà. Donc, bah, vous décidez, Oui, tout va bien mais chez vous, et madame, vous revenez demain. désolé de vous couper, je suis désolé de vous couper la parole, mais la décision elle est déjà prise en fait là. Moi je garde pas la gamine, je veux mon gamin. Ah oui, Ah, mais mais t'es pas la votre pointe, t'es femme, pas Madame là. Lacoste, n'a pas l'air d'accord avec ce choix. Si elle est d'accord, je m'en fous en fait, d'accord? Si elle est d'accord ou non, je m'en fous. Elle prend Ah la bah gamine, non, je vous prends le vous en gosse, foutez. voilà, merci, au revoir, c'est bon, voilà, Eh ça fait ben équitable, non. non? C'est Non, ce équitable. n'est pas équitable. Oui, Juste pour que justement, ce soit ce n'est pas équitable. équitable. Ah. Bon, alors, Et c'est toi, vous comme êtes ça, chiante. d'accord? On ne revient pas sur les décisions. C'est moi qui choisis, c'est moi la boss ici, d'accord? Donc, vous allez revenir demain avec une décision claire. Et après, vous revenez. Dès que vous avez votre décision,
je vous laisse réfléchir un peu plus calmement. Ok. C'est pas moi qui vais le garder, alors hein. Au revoir. Bon, décidez-vous. Eh non, allez, mais c'est moi qui prends la... Au revoir. Bon, partez, vous mettez pas sur mon bureau, s'il vous plaît. Oui, ils ont... Tu penses qu'ils arrivent quand, là, les parents Je sais pas, en vrai, j'espère qu'ils vont pas rentrer tout de suite, hein, parce que comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Et tu sais ce qu'ils sont allés faire, ou pas? Oh, bah, j'entends la voiture. Ah, ah bah, ils rentrent. Trop cool. Puis, ils avaient trop, trop faim. J'espère qu'ils ont ramené un McDo. Oh, ouais. Bonjour, les enfants. Salut, papa, salut, maman. Vous avez ramené un Happy Meal? Pas pour toi. Quoi? Comment ça va, Ludovic? Ramener un McDo. Mon préféré. Oh, si, c'est trop gentil. Mais pourquoi vous avez... Tu sais que papa, il t'aime. Hein. Papa, il t'aime, il t'aime. Ah oui, bah c'est non, mais Julien n'avait pas assez d'argent pour un pour toi. Du coup, j'en ai pris pour papa, pour moi et pour Ludovic. Bon, avait c'est pas grave, tant pis. Bah, tu peux me faire à manger, maman, c'est très très fin. Bah, regarde, il y a une banane. T'as qu'à la prendre. Tu prends la pomme, en fait. Hein. Et puis tu parles pas fort. Mais la pomme, elle est toute bizarre. Il y a des trous dedans et ça bouge à l'intérieur. Bah, justement, ça rapporte la viande. En fait, Julie, c'est tes amis. Oui. Tiens, Ludovic. Merci, maman. Au pire, vous pouvez me donner des frites? Non. Non. Honoré. Non. Merci. Ludovic, bien marché. Hein. Bon, bah, bon appétit. Hein. Merci. Hein. Yom, 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 yom. Ouais, elle est pas si dégueu, la pomme, finalement, quand on a faim, ça se mange. Tu vois. Julie, c'est bon? Oh, ouais, t'as vu? J'arrivais à parler normalement. Oh my god, comment t'as fait? Je sais pas, j'ai changé de voix d'un coup comme ça, c'est trop bien. Ah, tu me fais un peu peur, là. Hein. Et je crois que c'est grâce à mon fils, là. Mais du coup, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Pas, ça t'en va pas, en fait. On était à l'avocat, chez l'avocat. Pourquoi vous êtes allé voir un fruit, je comprends pas. Ah oui. Ah non, mais t'es trop bête, toi. Ça sert à rien de parler avec toi. La personne qui est là pour avocader. Ah. Aïe pourquoi tu me frappes, papa? Aïe. Aïe. Non, mais la frappe pas maintenant. Aïe. Si, c'est pour qu'elle ait des bleus, comme ça au moins. Tu auras porté plainte contre moi et c'est pas moi qui aura sa garde. Mais pourquoi tu me frappes, papa? Moi, je veux pas porter plainte contre mon papa. Aïe. Ah. C'est la bête. Aïe. Ah, oh, mais t'as des bleus, là. Aïe, il m'a arrêté de me frapper. Ça fait mal. Dans ta chambre. Okay. En pension. Mauvaise monde. Dans ta chambre. Vous faites quoi? Allez. Où sort vite. Je vais fermer dans ma chambre. Voilà. Ah. Gage. Vous faites quoi? On est fermé. Ah, c'est ça. Cache-toi. Mais ils sont fous, hein. T'as vraiment une cruche, ta fille. Hein. Une vraie cruche, ta fille, hein. C'est ouf. Ouais, j'avoue, là, n'importe quoi, hein. Bon. Faut qu'on parle affaire. Vas-y, je t'écoute. Tu veux pas de la petite? Je veux pas de la petite. Eh ben, on a qu'à éliminer la menace. Et... Comment, en fait? Tu veux l'éliminer comment? C'est pour ça que je t'ai fait venir. Ouais, d'accord. Telle est là-dessus. Pourquoi on lui ferait pas bouffer un cactus? Un cactus? Trop gentil. Pourquoi pas acheter un animal de compagnie, dont un hérisson? Comme ça, moi, c'est piqué dans la tronche. On a qu'à l'aspirer par l'aspirateur. Ah non, mais elle est trop grosse. Ah ouais, je l'avais dit de faire un régime, elle n'avait pas écouté. Oui, il y a son petit gâteau qui dépasse, là, non? Ah non, mais j'avoue, là, elle est trop moche en plus, là. Et puis... Et elle a un faux air de toi. Hein. J'ai trop la honte quand je me balade avec elle, quoi. M'étonne. Mais pourquoi tu la mettrais pas, je sais pas... la voiture, et tu mets la voiture dans l'eau? Je sais pas, tu l'attaches. Ah bah, cramer. Mais elle est trop grosse encore. Ah, mince. Putain, faut vraiment un génie.
Je sais pas, moi, on lui fait bouffer la pomme empoisonnée comme dans Blanche-Neige. C'est pas con. Et pourquoi pas lui acheter un crapaud? C'est bien dégueu et tout, là. Oh, j'ai une idée. Ok, je suis un génie. Moi. Ouais. Si. On la met dans le frigo. Comme ça. Elle est frigorifiée. Et elle meurt. Et après, on dit que c'est un accident. Ouais, on dit qu'elle a pas fait esprit parce que... Elle avait vu son Happy Meal et puis que le truc s'était refermé sur elle et qu'on n'avait pas vu que ça s'était refermé. Elle est complètement débile aussi. Ouais, voilà. C'est bon. Ah, on va la chercher ? Vas-y. J'ai hâte. Allez, go. Coucou, Julie. Coucou. Oui. Tu viens voir en bas. Attends, je suis en train de jouer avec Ludo. On est en train de battre un boss dans Roblox. Oh non, 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 Foutre non, non, tablette. Non, descends. Tu me parles déjà. Tu calmes. Mais... Allez, on y va. Pourquoi mais... Non, tu peux Ludo, jouer, tu peux continuer à travailler. D'accord. Vas-y, voilà, c'est bien, mon chéri. Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe? On va jouer? Ouais. Tu vois, là-bas, ton Happy Meal, tu le vois bien. Hein. Il est où? Il se voit pas. Mais tout au fond là, va le chercher, regarde, c'est tout au fond, tout au fond. Ok, tout attends, au fond. Il se rentre dans le frigo. Hop. Tu l'as trouvé? Non, il est où la pimine? Il est c'est vraiment au fond, hein. Il fait froid, j'arrive pas à le trouver. Pourquoi la porte elle est fermée? T'inquiète, je pense que c'est bloqué. C'est bloqué, je crois, non? Ouais, c'est ton épreuve quotidienne. Comment ça, c'est mon épreuve quotidienne pour ouvrir là? Je commence à avoir froid. Non, mais tu vois, c'est Koh-Lanta version reality, tu vois, tu m'avais demandé de faire ça un jour. Faut le faire, hein. Ah, ok, oh, bah, je vais. Mais... Tu dois rester combien de temps pour l'épreuve? Oh, n'importe, comme tu veux. Ah, je sais pas, moi. Un bout de temps. Ok, je peux avoir une veste? Non, oh, bon, tu viens, mon chéri, on va à McDo. Oui, mais t'inquiète pas, mon enfant. Je vais appeler le réparateur d'aspirateur, il va venir. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Bon collantage. Merci. J'entends des bruits, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. J'ai remonté. Oui, je vais faire une sieste. A few moments later. Mais pourquoi elle est ici en fait? Oh, ah, c'est rien, c'est elle a fait dodo. Mais pourquoi? Ah, c'est la vie. T'as vu comment elle est fraîche, notre fille? C'est ouf, hein. Oui, mais c'est pas normal. Elle respire. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre dans votre élan. Oula, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais ça, vous inquiétez pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Dodo. Alors, je viens ici parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave. Expliquez-moi. Bah, regardez ce qu'il y a au sol, c'est votre fille. Mais oui, elle est juste congelée. Elle est totalement. Elle est là. Et toi, qui tu as ton petit là? T'es son frère? Son chien. Son frère. Oui, bon. Alors, mais comment il s'est retrouvé dans cet état, là, la pauvre? Non, on avait le kitchen. Bah, on était partis faire des courses, tu vois. On les avait laissés les deux tranquilles ici, jouer à Roblox. Puis on revient et on la voit comme ça. Mais c'est bizarre parce et que... Et vous pensez êtes... que... Vous êtes rentré avant que je monte là-haut. Et tout à l'heure, elle était en vie quand vous étiez rentré. Ah non, mais je vois pas de quoi tu parles. Parano, mon petit. T'as peut-être rêvé. Mais et vous pensez que... Ah non, petit, continue à parler. Mais en fait, je suis trop triste. Après, vous savez, madame... Madame la juge, policier, je sais pas quoi. Je suis pas une juge, là, je suis une policière. Pareil, ok, donc me saoulez pas. Juste pour vous dire qu'en fait, ma fille était vraiment très très fan de la Sibérie, donc peut-être qu'elle s'est dit « Ouais, je vais aller en vacances et tout », donc elle est partie dans le frigo, quoi. Ah oui, mais à part cette solution, vous pensez qu'elle aurait pu se retrouver là comment? Parce que bon, c'est quand même
C'est rare. En rentrant dedans, quoi, tout simplement. C'est con, mais... Bah ouais, elle a peut-être refermé sans faire exprès. C'est un peu con. Vous savez, notre fille, elle est un peu débile, hein, donc... Mais un peu non, comme on ça. On l'aimait pas, de toute façon. On peut pas fermer de l'intérieur. Et petit, j'aurais une question à te poser. Oui. Pourrais-tu me dire les relations qu'il y avait entre tes parents et ta sœur? Ah bah, ils les détestent. Ah bon? Ah oui. Et... Non, mais c'est pas parce qu'on l'aimait pas qu'on allait la tuer. Je vois pas le finir. Oui. Une femme avec des verres. Voilà, qu'on a pas que ça à faire de notre vie, de notre chose. Hein. Perdre notre temps pour elle. Ouh, ça sert à rien. Perdre de temps, cette meuf. D'accord, je vois. Écoutez, je pense que j'ai d'énormes soupçons sur quelqu'un ici. Ah. Ah oui, c'est qui? On écoute. Oui, ça ne peut être que cette personne. Mais... Et c'est qui? J'en suis sûre. Mais dites qui c'est, parce que je veux découvrir. Un coca? Non. Je vais casser la personne. C'est autre chose. Je vais tuer la personne qui a tué ma sœur. Ah non, petit, sinon t'auras en tôle. Hein. Enfin non, il n'y a pas de tôle pour les enfants de ton âge, mais quand même. Ouais, j'avoue, là, tu te sens pousser des ailes. Il se croit trop le héros, ce mec. C'est sûr, c'est certain. Quoi alors? Écoutez, je pense que c'est la faute du frigo. Bon, alors, voilà, je vous amène... Un caddie pour aller chercher votre sœur, enfin votre sœur, votre fille. Bon, attendez, j'arrive. Vas-y. Tu veux faire go, si c'est possible. Enfin, je sais pas si t'as capté. C'est vrai, voilà. Gars, c'est pour vos têtes, elle ressemble à rien. Laisse le frigo tranquille, c'est cher en plus. C'est rendu de mon caddie, mais non. C'est moi qui est mort. Non, mais c'est pas grave, on peut la laisser au sol. Non, je la prends quand même. Ça fait la déco. On est mort, voyons. Vous allez lui arracher le bras. Faites attention à votre frigo la prochaine fois. Ouais, tout ça, on va le fermer. Allez, vous devrez peut-être changer de frigo. Je pense qu'il est pas cher. Ah non, c'est cher. Allez, on y va. Hop. Ça coûte trop cher. Désolé, j'ai un peu mal garé la voiture. Ah bah, pas qu'un peu. Bah, on voit ça. Allez. On attend le virement pour les réparations. Hein. Hop. Ouais, parce que... Allez, agréable journée à vous. Au revoir. Au revoir. Oula, retourne. Oh là là, faites gaffe à la maison quand même. Ma voiture aussi est possédée, je pense. Oula, attends. Oula, Il y a peut-être un petit problème technique.